Good evening. Okay. Good evening. Welcome, Madame Zahra, our instructor for tonight's webinar. Welcome, Mr. Sharif Shmerli, the president of African Volleyball Coaches Commission. Welcome, Mr. Mohammed bin Hameda, the director of the African Academy. Welcome, Ms. Ghislan, our translator for tonight. Ladies and gentlemen, our African volleyball family, it is our pleasure to have you tonight in our webinar, which is approaching a new era in the coaching in Africa. We talk about the mental preparation with one of our great instructors in the world, Ms. Zahra Gamir. And it is our pleasure to have you with us. We appreciate your help and your cooperation. And please accept our thanks and appreciation from all volleyball family in Africa to have you with us, and thank you for your time. And now we will move for Mr. Sharif Shmerli, the president of African Volleyball Coaches Commission. Thank you, Mrs. Zuwaida. First of all, I would like to thank Mrs. Zuwaida and Dr. Alwani. He didn't attend today, but he sending his regards to everybody. And I would like to take the occasion to thank Madame Zahra, to the legend, one of the legends in sports in Africa and in France. And I hope that we gain a lot of information from her tonight. Also, I would like to thank Dr. Mr. Mohammed bin Hameda, the director of our academy, Beach Volleyball Academy. Also, I would like to welcome my daughter, Ghislan. I think she is sharing with us one of our, successful webinars tonight. Also, I would like to say that the topic tonight is very important. And I think after we suffered a lot from COVID-19, I think we have to find a good instructor and legend like Madame Zahra to help us to overcome the problems of COVID-19 and to enter the new, the new period after COVID-19. I think she will help us a lot. She will guide us. She will guide coaches in Africa. She will guide all, sports athletes in Africa. That's why we are very happy to share with her or to gain from her experience. And I hope that we will have a very good webinar tonight. Thank you very much. And I hope you enjoy everything tonight. And I will be one of the students and waiting for the information. Okay, thank you. Thank you, Sharif. Thank you, Sharif. Thank you, Madam Huwaida. First of all, the CAVB Online Academy would like to thank everybody and would like to thank Dr. Amr for this opportunity. Also, we would like to also to thank Mr. Sharif, Madam Huwaida, and my daughter, Ghislan, who deserve or who gave us the opportunity to see her after long months, and also for her time in order to join us to translate this this webinar, this first. Second, I would like also to announce that 2 days, a couple of days we ago, we finished or we closed the training for sports management foundation for 3 countries with 112 students. We had practically 70% of success in this this course, and we will continue to work on that. regarding our for today, I would like also to welcome Madam Zahra Gamir, which she disappeared from the screen. Zahra. Zahra, tu fais, on te voit pas, voilà. I'm here.
No, you were not here. So I would like to thank Madame Zahra. Zahra is one of the African icons in fencing in EPE. She is a four times African champion. She is Mediterranean champion. She also participated in several Olympic Games, World Championships, and she was high performance athletes. So she accumulated long years of experience in order to try to serve sports in general and her sports fencing in particular. She after that she became, which is normal, she is a sports counselor. She specialized in sports the training methodology, and she is also weapon master, les maîtres d'armes. So it's one of the highest level of training. And also she was coach. So she worked or she's still working in France. She had some years in Qatar with us, and she established a women fencing department in the federation. And she did a lot, especially for kids and girls or women. So this is more or less a brief, let's say, image of Zahra. Anyway, what will happen after this webinar? So we will also translate the video in both in the four languages: French, English, Portuguese, and Arabic. This is one. Second, we will also share with you the presentation. So I will give the floor to Madame Zahra, and I will share the screen and the presentation. Donc Zahra, voilà, je te laisse le voilà, donc je te laisse la présentation. OK. Voilà. Et donc, on démarre. Voilà, à toi. OK. Bonjour, bienvenue à vous tous pour assister à notre conférence. Pourquoi donner goût à l'effort aux personnes qui ont toujours existé à travers les défis en engageant le maximum d'efforts. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier Dr Amr Alouani pour la confiance et l'opportunité de me permettre de joindre la famille du sport au continent africain après une longue absence due à mes obligations professionnelles. Je remercie aussi KVB Online et en l'occurrence le directeur de l'Académie, Monsieur Ben Hamida Mohamed. La saison 2019-2020 est une saison sportive particulière, d'une extrême importance pour les athlètes de haut niveau, car c'est l'année olympique, d'où tous les athlètes se voyaient devenir les acteurs de cet important et heureux événement. Or, qu'est-ce qui se passe? My God, what happened? À mi-chemin, leur dynamique a été interrompue. Le monde entier a été troublé par le monstre qui a surgi de nulle part et qui a bouleversé notre quotidien, le coronavirus. Le monde du sport, notre beau monde et merveilleux, a été terriblement impacté par cette pandémie. Il est de notre devoir d'être unis et de contribuer à un monde plus sain en mettant en œuvre notre savoir-faire et nos expériences au service et au profit du bien-être de nos athlètes. Nous avons jugé utile à travers notre conférence de mettre la lumière sur les clés qui vont permettre à nos athlètes de retrouver le goût à l'effort et qui va les conduire vers la réalisation de leurs objectifs. Rien n'est perdu, il est possible de rebondir. Donc pour cela, redonner goût à l'effort aux athlètes de haut niveau, c'est super important face à cette situation inhabituelle. Avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un athlète de haut niveau?
l'athlète de haut niveau, tout athlète qui participe à une compétition continentale est considéré comme un athlète de haut niveau. Et dans notre cas, c'est le championnat d'Afrique. La situation, revenons à la situation d'avant la COVID-19, où les athlètes avaient entamé leur préparation normalement. Les athlètes, ils avaient un repère. Ils étaient motivés parce que le fruit d'un travail de longue haleine qui allait être concrétisé. Les athlètes sont, comme nous le savons tous, les athlètes sont habitués à avoir une vie disciplinée, une certaine discipline, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle. Les athlètes sont habitués à avoir les athlètes avaient la possibilité de s'exprimer, d'exceller, d'atteindre leurs objectifs de performance sportive individuelle ou de représentativité. Ils se voyaient devenir les ambassadeurs de leur pays et les représenter dignement. De faire honneur à leur famille proche, à leurs parents, à leurs entraîneurs et à toutes les personnes qui se sont investies avec eux pour en faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Pendant la COVID-19, malheureusement, pour tous ces athlètes qui se sont tant investis pendant des années et des années et des années, ils ont fait un cauchemar universel. La pandémie a imposé une interruption sur toutes les pratiques sportives. À toi, Rizlène. Thank you very much, Sandra. So, first of all, I would like to thank Mr. Amrilwani for giving me the opportunity to come back to Africa through this webinar. I would also like to thank Mr. Mohammed bin Hamida. I would like to remind you that 2019-2020 is an extremely important season because it prepared to the Olympic Games of Tokyo 2021. And because of this pandemic, the entire sports world was impacted. And it was terribly impacted and not in a good way. We would like to give back and propose a healthier world through experience and knowledge and through our experience and knowledge to our athletes. And we would like to help them to reach their targets and regain confidence in themselves and in their career. We would like to reconciliate the professional athletes with the efforts. Technically, a high-level athlete is an athlete that participates at least to one continental championship. So we'd like to go to the situation before the COVID-19, before the pandemic. An athlete at that time had a reference. They were motivated as they had a long period of training and preparation, and they were going to have a result. So with this preparation and with this investment, it would materialize into either the qualification or a place in the Olympic Games of Tokyo 2021. They also had the possibility to express themselves, to excel, and to reach their targets, either on the individual sports performances side or on the representative voice. They had the opportunity to honor their families, their coaches, their fellow athletes, and all those who participated in this success. Okay. Alors, pendant la COVID, les athlètes ils ont vu leur rêve aller en fumée devant leurs yeux. Malheureusement, tous les athlètes d'élite du monde entier ont fait un cauchemar universel. La pandémie a imposé une interruption sur toutes les pratiques sportives. Elle a perturbé tout leur fonctionnement,
Pourquoi? Parce que les athlètes sont habitués à avoir une discipline dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les actions des athlètes sont régies par un plan d'action logique élaboré d'une manière qui va leur permettre de faire les résultats et qui vont les conduire vers la performance. À cause de cette inhabituelle situation, ils n'avaient plus de repères. Les athlètes n'ont pas de repères face à une situation inédite. C'est une situation nouvelle pour eux. Mais heureusement que les athlètes, à travers leur pratique sportive, ils apprennent à faire face à les situations difficiles et les situations étranges qu'ils peuvent rencontrer pendant leur match. Et cela leur a permis de trouver une solution à travers laquelle ils peuvent au moins maintenir leur niveau physiologique le plus proche de leurs aptitudes habituelles. Chaque fédération, chaque entraîneur et chaque athlète devait s'adapter à cette nouvelle préparation. Bien évidemment, cette trêve va laisser des séquelles et des conséquences sur le plan mental. La motivation a considérablement baissé. À toi, Rizlen. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. During the COVID-19, all sports practices had to be interrupted. The athletes' function and preparation had to be disrupted. The athletes who were already qualified and would be reaching this final phase of games preparation cycle had to be stopped. During the COVID-19, they had no targets for the situation, as the situation never occurred before. They had to find a solution to maintain their physiological level, to always be as close as possible to their usual high level capacity and aptitude. This is an entirely new situation. This has never happened before. And as athletes, or as high level athletes, they are used to anticipate and adapt to new situations. So therefore, each federation, each coach, and each athlete had to adapt to a new type of preparation, to a new method of preparation. And therefore, obviously, the motivation dropped. L'après-COVID, malgré que le virus est toujours là, bien heureusement, cette trêve a pris fin. Et là, c'est la relance de l'activité. Et l'espoir, il revient. L'espoir de retrouver leur motivation pour atteindre leur objectif, d'exceller et de représenter leur pays. La priorité, c'est de la gestion de leur mental. Préserver la santé mentale des athlètes est primordial. Le mental est le pilier de notre fonctionnement. Il est à 50% des autres leviers de la performance. Un mental mal préparé peut tout faire capoter. Prenez conscience que la gestion du bien-être de vos athlètes est aussi importante que la gestion des autres leviers de performance. En mettant en œuvre les outils de la préparation mentale et les techniques, ça permettra aux athlètes de se reconnecter au présent, de libérer l'important et de focuser sur de libérer l'important et de focuser sur le sur sur la, de focuser sur l'important, sur ce qui est aussi important. En mettant en œuvre
les techniques et les outils de la préparation mentale et les stratégies, ça permettra aux athlètes de se reconnecter au présent, de libérer l'essentiel et de focusser sur l'important. La confiance en soi, la gestion du stress, la concentration, et il y en a aussi d'autres aptitudes mentales, sont plus efficaces que le calcul. Heureusement qu'à travers la préparation mentale, nous pouvons agir sur les aptitudes mentales et les optimiser. Afin que les athlètes expriment pleinement leur qualité physique, technique et tactique, et que ce soit à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours ou à le jour de l'échéance. Le but, c'est d'élever leur potentiel, leur savoir-faire, de trouver leurs compétences, d'augmenter le niveau de leur performance, de trouver l'équilibre entre les exigences de la performance et du bien-être pour que le jour J et à l'heure H, ils passeront à l'action efficacement. À toi, Rizlen. For the situation after COVID-19, it is the hope to find motivation to reach the goals, to excel, and for the athletes to represent their countries. And we would like to go through how to come back to the situation before COVID-19. Mental health is the key. Mental health is extremely important. It represents 50% of the preparation of the athlete. Handling the mental health of the athlete is as important as preparing their technical or body workout. They need to reconnect the present and focus on what's more important by putting in place mental health techniques and strategy that allows them to focus on what is more important. And by channeling their mental health and making sure that these athletes are motivated, we have an impact on the tactical, physical, and technical performance. And at the end, taking care of the mental health of our athletes is what will make them on the D-Day excel and have the best performance they can have. Nous devons aussi agir sur les facteurs endogènes de l'athlète. L'équilibre familial, l'épanouissement, retrouver les schémas aussi positifs et leur faire rappeler les parcours positifs qu'ils ont réalisés lors de leur préparation ou pendant aussi les compétitions. Agir aussi sur les facteurs exogènes, réunir toutes les conditions favorables pour la performance, la mise à disposition de moyens, lieux de pratique, récupération, compétition par palier, suivi médical, etc. À haut niveau, il n'y a pas de facteur chance, il y a des choix, des bons et des mauvais. Tout cela combiné doit aider l'athlète à se surpasser. Rizlen, s'il te plaît. Bien sûr. We need to act on the endogenous factors of the athlete, which are the family equilibrium, creating a positive schemes, making sure that everything in their native source is done and prepared. We also need to make sure that we are acting on the exogenous factors, which are the fact of making sure that they have a practice place, that they have enough time to rest, that they have enough competitions per level, per stage, that they have a
a good medical follow-up. And we absolutely need to remember that in the high level, there is absolutely no chance factor. We have good choices or bad choices. And with these combined, we should have the athletes to surpass themselves. Zahra, just please, just a moment, please. Oui, dis-moi. I would like just to inform our followers that we have a serious issue on Zoom. That's why we couldn't. There is nobody inside. We apologize and we are so sorry. It's an extra. It's out of our power. So we are trying to figure out and to fix it. So kindly follow us on Facebook. Donc, je m'excuse pour cette mésaventure. Donc, il y a un sérieux problème avec Zoom. Donc, on peut pas, ça n'accepte pas les participants. Donc, je vous invite à nous suivre sur Facebook en attendant de fixer le problème. Merci beaucoup et merci pour votre compréhension. Yazora. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Alors, je vous présente ici une étude faite par le Comité olympique international qui est très intéressante, où ils ont mis plusieurs points comment mettre la lumière sur les clés qui vont aider les athlètes à rester positifs face à cette situation difficile et étrange pour les athlètes. Et je vous invite à la consulter ultérieurement. Par contre, maintenant, je vais vous donner quelques clés que vous pouvez travailler avec vos athlètes pour, dès que vous voyez qu'ils sont anxieux, inquiets, et c'est tout à fait normal. Mohamed, s'il vous plaît, l'écran pour qu'on fasse quelques techniques. Je vous présente quelques techniques. Voilà, donc vous êtes sur l'écran. Voilà. Alors, face à cette situation, c'est sûr que vous allez identifier chez vos athlètes une certaine inquiétude parce que les athlètes ne sont pas habitués à être confrontés à l'incertitude, comme ils sont habitués à suivre un programme bien défini et où ils accèdent palier par palier et ils se voient réaliser des résultats et avancer dans leur projet. Alors, dès qu'on identifie cette anxiété, procéder par leur faire la respiration, la méditation à travers la respiration abdominale. Et je vous invite maintenant qu'on la fasse ensemble. Donc, on va la faire, we have to do it live. Right? En live, si donc, on va, la faire, on va la faire, tout cela si faire, voulez, d'accord. Si vous voulez. Donc, on invite les gens qui sont sur Facebook de répéter l'exercice. Donc, we'd like to invite people on Facebook to follow Mrs. Zahra. Thank you. Alors, tout d'abord, les pensées sont comme des bulles de savon qui s'envolent et qui disparaissent avec le temps. Donc, les pensées qu'ils vont avoir, ils vont disparaître avec le temps. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Là, on va travailler la respiration abdominale. On commence, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez profondément et calmement. Bloquez pendant 6 secondes. Expirez calmement. On répète cet exercice plusieurs fois. Portez votre attention sur votre respiration.
À chaque respiration, vous évacuez des tensions. Sentez que le souffle traverse votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Ça va vous aider à vous reconnecter avec le ici et le maintenant. Et comme ça, on se reconcentre sur ce que nous sommes en train de faire pendant le moment. De deux, une deuxième clé, accepter et accueillir ce qui se passe. On applique le principe zen. C'est une situation à laquelle on n'a pas de contrôle. Donc, il n'y a aucun problème, on l'accepte et on fait avec. Et on avance vers nos objectifs. La troisième clé, visualiser une image positive. Demandez-leur de visualiser une image positive. Et le mieux, cela peut être un souvenir associé à un sentiment de sécurité. Ça va les calmer. Ou ils peuvent aussi faire une représentation totalement inventée. Parce que l'être humain, on a l'imagination, donc on peut imaginer une situation de sécurité et on se voit dedans et on va la vivre à travers l'imagination. Et ça leur permettra aussi de retrouver leur sérénité et de retrouver leur calme. Je vous donne aussi une quatrième clé, c'est surtout créer un environnement de croissance. L'être humain est un être social. On accélère notre croissance quand on fonctionne avec les autres. C'est à nous de transformer notre vie et de s'adapter à ce qu'elle est, à celle qui s'est imposée à nous, tout en estimant suffisamment les autres pour leur faire appel. Les bons entraîneurs, les préparateurs mentaux, les préparateurs nutritifs, etc. Et tout cela, ça va permettre à vos athlètes d'aller vers le meilleur. À toi, Rizlen. So I am inviting you to watch this video that was made by the International Olympic Committee, which is a study on how to help the athletes to stay positive and stay motivated. Anxiety and the fact of being worried is something normal in this situation, as it was never presented before, as it is something that we have never faced before. And we have four techniques that we can, with which we can help our athletes to stay motivated. The first one is the meditation and breathing. The second one will be accepting and welcoming the Zen attitude, as we have absolutely no control over whatever challenges we are facing in this situation. Again, as it is something that we have never seen before. We need to visualize and create a positive image. It can either be something good. The athletes can either recreate a positive image, a positive reminiscence, et cetera, et cetera. Or it can be something that they absolutely invent, as we have the capacity to do this. The fourth and last would be to create a growing environment, as we are human beings and human beings adapt to their environment. So we need to make sure that we are allowed to not be in control of our lives, and therefore create a world that we choose, that we can control better regarding the situation that we are living today.
Merci. Alors, l'objectif principal pour nous, pour le beach volley spécialement aussi, parce que c'est pour le beach volley que nous sommes là aujourd'hui, pour aider et aider et protéger nos athlètes et les emmener vers la réalisation des meilleurs résultats de performance. C'est la qualification pour les Jeux Olympiques 2021. Alors, comment décrocher sa qualification pour cette échéance? La première des choses, c'est de fixer des objectifs de manière pertinente et efficace. C'est motivant pour les athlètes et ça donne la possibilité d'être plus performant. Travailler aussi tous les leviers de la performance, le côté physique, technique, tactique et mental. C'est super important de travailler et de ne rien laisser au hasard. Travailler tous les leviers de la performance. L'objectif de nos athlètes, que ce soit chez les hommes ou les femmes, c'est la phase zonale où ils doivent assurer leur place parmi les 8 finalistes. Et puis après, la phase zonale où ils doivent assurer leur place parmi les 8 finalistes. Et ensuite, la phase finale où ils doivent décrocher la première place et avoir en main le billet d'accès vers les Jeux Olympiques 2021. Rizlan? Oui. So we are here today to help our fellow beach volleyball athletes to stay motivated. And we are talking about the qualifications for the Olympic Games of Tokyo of 2021. So how to qualify for these games? We need to create the objectives, sports objectives, in an efficient and motivating manner that allows the athletes to be more performing. We need to work on all the levels and performances, whether it's tactical, whether it's technical, physical, or mental. Every field needs to be worked and the level maintained. The objectives and targets of the African beach volleyball today, we have 2 phases, which is the zonal phase, where the athlete has to have a place within the first 8 finalists. And then the final phase, which is reaching the first place and therefore winning a qualification. Alors, pour décrocher cette qualification, il est hyper important d'avoir un niveau de motivation très élevé, à la hauteur de l'importance de cette échéance. La motivation. Qu'est-ce que c'est que cette motivation? Alors, la motivation est une vue de l'esprit. Pour savoir si vos athlètes sont motivés, il suffit de leur donner une tâche et de prêter attention à leur comportement. Cognitive, attention, concentration, voici, ils sont attentifs, ils sont concentrés. Affectifs, s'ils ont le plaisir de le faire, le comportemental aussi. Il faut vraiment prêter attention à tout cela. Et si vous voyez qu'ils sont en train de faire les exercices avec entrain, c'est qu'ils sont motivés. Il existe 2 forces hyper importantes, une force interne et une force externe. Cela dépend de l'individu et du contexte. Dans le cas d'une préparation pour une échéance importante, et c'est notre cas, parce que l'échéance, elle est grande et en même temps, on peut la réaliser. Alors, la force externe est l'entraîneur qui incite l'athlète à s'impliquer et à reprendre les entraînements d'une manière rigoureuse. La force interne,
Et ce que veut l'athlète, c'est toujours les forces internes qui gagnent. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant par rapport à ce point-là. Être près de vos athlètes, connaître vos athlètes, être attentive à vos athlètes, être à l'écoute des athlètes et être voir devenir complice de vos athlètes. Et ça va vous faciliter la tâche pour atteindre vos objectifs. Rizlan. To know if your athlete's motivation is to simply make them go through a very simple task and to see how they react. If they have certain cognitive, affective, or behaving reactions, are they having fun? Are they keeping attention? Are they interested? In this case, we can say that they are motivated. Therefore, we can talk about two kinds of forces, which are the internal or external force. That depends on the individual, on the athlete, and or the context, the environment in which they are growing. In the case of a preparation for a very important competition or game, we have these two forces. The external force is what the coach incites the athlete to do, whether it is through harder exercises, a harder physical preparation, complicated tactical exercise, etc. The internal force is what the athlete wants. And this is the force that wins, because internal forces are the ones that win, which is basically the motivation of the athlete. One should always keep in mind that a coach has to be closer to their athletes. They have to create bonds. They have to create a relationship. They have to be close to them. They have to listen to them and be there for them. Therefore, this will be easier for them to get the athletes to be motivated and give them a better chance into reaching their purpose or their targets. Okay, merci. Le rôle de l'entraîneur est important, très, très important, surtout dans cette situation. Alors, la première des choses, c'est de positiver et déclencher une dynamique de réappropriation des capacités d'avant la COVID, d'avant cette pandémie, voire mieux. Et c'est très possible. Pourquoi c'est possible? Parce que c'est dans les situations difficiles, qu'on s'améliore. J'aime beaucoup un dicton des marins. Ils disent, il n'est guère bon marin sans une mer agitée. C'est la mer agitée qui fait des marins expérimentés. Donc pour nous, cette situation que nous sommes en train de vivre et qui est étrange, c'est comme les grandes vagues, les grandes vagues qu'on va confronter et qu'on va vaincre. On est possible de les dépasser. De deux, instaurer un climat calme. Percevez et voyez l'anxiété de vos athlètes comme étant saine et normale, parce que c'est une situation jamais vécue auparavant. Donc, cette inquiétude face à l'incertitude, elle est saine et normale. Deuxièmement, un climat serein. Faire prendre conscience à vos athlètes que ce temps additif est une grande opportunité pour devenir meilleur. Que ce soit pour les athlètes qui avaient déjà décroché leur qualification, rien n'est perdu, tout est à leur avantage. Si on a pu se qualifier la première fois, c'est qu'on a les capacités, on a le potentiel
de pouvoir encore s'affirmer et décrocher encore une fois sa qualification. Pour ceux qui étaient en course vers la qualification, le temps ici, il est aussi en leur avantage. Ça va leur permettre de solidifier leur savoir, leurs actions techniques, tactiques et aussi leur côté physique pour pouvoir décrocher et atteindre leur objectif. Dans les deux cas, c'est une situation, bien qu'elle soit difficile, elle est positive et elle est en faveur de nos athlètes et en faveur de nos entraîneurs. Chers entraîneurs, dites à vos athlètes, c'est dans l'effort que vous grandissez. C'est dans l'effort que vous vous renforcez. C'est dans l'effort qu'on apprend. L'effort, c'est notre ennemi. L'effort, c'est notre ami. C'est le confort qui est notre ennemi. Donc, c'est dans cette situation, on va fournir le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. Les athlètes sont habitués à se donner au grand maximum et de ne rien lâcher et d'aller au bout de leur force pour atteindre leur objectif. C'est encore possible et c'est très bien. L'échéance, elle n'a pas été annulée, elle est juste reportée. Allez, tous ensemble vers cet heureux et grandiose événement, les Jeux Olympiques Tokyo 2021. Why not? Le troisième point, soyez rassurants, rassurez vos athlètes. À ce moment-là, l'impact est global pour tous les athlètes de haut niveau. Ils sont tous au même pied d'égalité. C'est très bien. Ce n'est pas comme si, à l'approche d'une compétition ou d'une qualification, l'athlète se blesse, il va se retrouver tout seul, contrairement à ses concurrents, face à sa blessure et en train de gérer ses émotions. C'est une situation globale et tous, ils sont au même pied d'égalité. Les entraîneurs aussi lient les entraînements avec des activités stimulantes. Composez les séances d'entraînement avec des exercices qu'ils aiment faire pour qu'ils puissent tenir dans la durée. Réalisez aussi, demandez-leur d'avoir un carnet dans lequel ils vont écrire leur performance. Et tout cela, ça va les motiver pour perdurer dans l'effort. À toi, Rizlen. In order to keep the athletes positive and motivated, these will be the keys of the coach. First of all, they need to stay positive and create a dynamic of capacity reappropriation, which means that we will recreate the environment in which they were before the COVID in order for them to reach their high level or even do better. So this is number one. Number two is to create three types of climate, three types of environment. The first one would be for the coach to treat the anxiety of their athletes as something healthy and normal. Again, it is something normal that we are going through this pandemic. Everybody all around the world is going through this pandemic. In all the countries, there is this pandemic. So there is nothing to be worried about. The best thing to do is actually to kind of reverse the situation and make sure that this is not a weakness, this is a strength. And in order to make
the effort have a value and have a result, have a positive result. The second thing would be for the coach to create a very peaceful climate, which is to help the athletes recognize that they have extra time to get better. Because at the end, we need to remember that this the deadline of the Tokyo Olympic Games of 2021, the deadline is not canceled, it is just postponed. So technically, the athletes have more time to get ready. They need to know that in the effort, they grow. They need to know in the effort, they get stronger. They need to know that with the effort, they learn. We need to keep in mind that the effort is our friend and the comfort is the enemy. The third thing to do is to create a reassuring climate, which means that at this time, the impact is global for all the athletes, for all the high-level athletes all around the world. It is the same situation for everyone. We are all put back to the same level. The coach needs to create trainings or exercises in which they stimulate the athlete, in which the athlete is interested, in which the athlete want to take part in. The coach also needs to create workout sessions with the exercises that they like to do so that they can be performing over the period. If the athlete is bored, that will not really help with the motivation. And one last thing is for the athletes to create or to keep a small notebook in which they will write down their performances. That will help them materialize the objectives that they have reached or whatever target they have reached or they have actually accomplished. Merci. Vu l'importance de ce paramètre, la motivation, il est très important de l'optimiser. En quoi, d'abord, la question qui se pose, en quoi cette motivation servira dans la pratique sportive? Eh bien, tout simplement, à faire plus facilement les choses. La motivation, c'est l'ingrédient de notre bonheur et de notre performance. Rizlin. So we need to understand what this motivation actually going to do in the sports practice. Technically, motivation will help us to do things easier, in an easier manner. You don't really see how time passes. We are more capable of doing long efforts. We are having fun. We have a better time or a better vision of failure, and we can overcome them. We as athletes do things in a very light way. We are engaged in what we're doing, and we need to understand that it goes both ways with happiness and with performance. Okay. Alors l'optimisation, quand on est motivé, on ne voit pas le temps passer. On est capable de faire des efforts plus longtemps. On peut subir des échecs et les surmonter. On fait les choses avec entrain. On est engagé dans ce que l'on fait. Et quand on n'est pas motivé, on rechigne à faire les choses. On n'a pas envie de s'y mettre. Les choses demandent beaucoup d'efforts pour être traitées. Même partiellement. C'est pour cela que pour pouvoir réaliser et atteindre, que ce soit dans la vie courante ou dans le domaine sportif, atteindre nos objectifs, il est impérativement important d'être motivé. Rizlin. On the other hand, when the athlete is not motivated, they have less they actually don't want to do things. They are less happy to do them. They are less motivated. They struggle more to
stay in line, they struggle more to stay focused. Things that usually are happier to are easier to do take them more effort to be done. And we need to understand that whether it's in the everyday's life or in the sports performance field, motivation is the key. Without motivation, it is extremely difficult to accomplish anything. L'utilité de la motivation dans notre vie est évidente. Alors, heureusement, grâce à la préparation mentale, grâce aux outils de la préparation mentale, nous pouvons agir sur cette motivation. Et quand on agit sur cette motivation, on va devenir plus heureux, plus performant et plus efficace. Les chercheurs et les professionnels de l'accompagnement des sportifs ont identifié 6 ingrédients de la motivation. L'autonomie et la compétence, l'appartenance, plaisir, progrès et les valeurs. Voilà. Merci. Pour poursuivre une activité pour elle-même plutôt qu'en raison de pression extérieure. Avoir le sentiment que l'on a du contrôle, contrairement au fameux « pas le choix ». Se sentir responsable plutôt que contrôler augmente considérablement la motivation. Tout cela veut dire quand l'athlète se sent libre d'exprimer ses choix, la motivation est grande. À l'inverse, quand il ne fait qu'exécuter sans jamais avoir le sentiment de peser sur ce qu'il fait, démotivation quasi certaine. Il faut juste ajuster et faire attention à la formulation. Cher entraîneur, c'est une question de ressenti, pas forcément de réalité. Donner à l'athlète le sentiment d'intervenir sur l'exécution, d'avoir le sentiment de liberté et d'espace. Par exemple, là, il y a votre enfant qui rentre à la maison après une longue journée, bien sûr, à l'école, et vous lui dites « Fais tes devoirs ». Là, il peut rétigner à les faire. Mais si jamais vous allez lui dire, c'est la même chose, mais juste vous lui dites « Tu préfères commencer par faire tes devoirs et puis jouer », là, il a le sentiment de choix. Mais le résultat, il est le même. Il va quand même faire ses devoirs. Vous, en beach volley, par exemple, là, vous avez une séance où vous devez travailler le service. Et vous savez que parfois, quand on fait, pas parfois, dans le domaine sportif, quand on travaille beaucoup la technique, ça peut générer le sentiment de monotonie chez les athlètes. Alors, pour qu'il y ait une diversité, leur donner le sentiment de choix, vous leur donnez l'exercice, vous leur expliquez l'exercice à faire, et après chaque exécution de l'exercice, vous leur dites faites un match libre de temps de points. Et ils tournent à tour de rôle. Et comme ça, ils vont sentir comme ça, comme quoi ils sont en train aussi de s'impliquer et d'avoir le choix dans la séance d'entraînement. Et le résultat, il est le même. Vous, en tant qu'entraîneur, vous avez travaillé la technique du service et les athlètes ont eu le sentiment aussi d'avoir eu la liberté et l'espace pour
participer au thème de la séance. Les compétences. Le sentiment de compétence. Rizlen, avant de passer aux compétences. How to optimize motivation. The use of motivation is obviously very clear in our lives today. To act on the motivation is to make the athletes not only more performing, but also happier. The researchers and sports accompanyship professionals have identified six ingredients of motivation. The first one is going to be autonomy. To create an activity and to ask for the athletes to do an activity or to allow them to think that they can do it doesn't have the same results. To do an activity by itself rather than an exterior pressure doesn't have the same impact, doesn't have the same motivation level. To feel that we have the control as opposed as you do not is, or technically allows the athlete to feel that they are in control and definitely raises the motivation level. We need to understand that an athlete, when they have the choice, when they have the possibility to make a choice, they are a lot more motivated than when they are just asked to recreate a task or follow a workout or an exercise. Le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, aussi appelé sentiment d'efficacité personnelle, influence la motivation. Il serait d'ailleurs un important prédicateur de succès d'atteinte de ses objectifs. De façon conjointe, plus une personne pratique, plus elle se sent compétente. Lorsqu'un athlète ne ressent plus le sentiment de compétence, c'est qu'il ne voit plus ses propres qualités. L'athlète, alors, face éprouver le sentiment de compétence permet de créer naturellement le sentiment de motivation pour effectuer une tâche et se sentir en action. Si vous voyez que votre athlète a perdu le sentiment de compétence, faites un débriefing avec lui. Mettez-lui devant les yeux ses compétences qu'il possède. Pointez-les du doigt. Ça va lui permettre de se rappeler qu'il a des compétences et il va se remotiver. Rizlen. The second one is going to be the competence. To create this feeling of competence is also called the feeling of personal efficiency. And it directly influences motivation. It is also a very important sign that the success of reaching the targets is close. In a very close way, it is easier for a person to feel competent if they practice more. Overall, the coaches need to understand that it is very important for the athletes to feel that they are worthy, that they are competent, that they are strong, that they can achieve things. And therefore, if we are seeing an athlete who is lacking this key task, that will help them reach the motivation, it is important for them to have a small briefing with them and remind them of everything that they have accomplished. And therefore, this very naturally creates a feeling of motivation within the athlete. Le sentiment d'appartenance. Tous les entreprises devraient... Sorry, Zahra.
Oui. Sorry, remaining, still remaining 25 minutes. Il vous reste 25 minutes. Ah, d'accord. OK. Merci. Alors, il y a le sentiment d'appartenance. Avoir le sentiment d'appartenance agit sur notre motivation qui va augmenter, qui va augmenter notre capacité de produire les choses, de se mobiliser et d'aller au-delà de nous-mêmes. Le plaisir. Le sentiment de plaisir joue un rôle. Sur notre motivation naturelle. Si on n'a plus le sentiment de plaisir, risque d'abandon, même si les autres ingrédients sont présents. Rizlem. We need to keep in mind that the feeling of belonging is a huge key for keeping the motivation. Just as in every company, all the board members would like their collaborators and employees to feel proud to work with them. It is the same thing with an athlete and a coach. The feeling of belonging is a natural feeling that reinforces motivation and work satisfaction. And it is extremely important to remind the athletes and for them to keep in mind that they do belong to a team and they do have their place. The fourth point is pleasure. So pleasure works directly with motivation, whatever it is. We need to remind that it is a key factor of performance. It is extremely important for performance and therefore for motivation. As without pleasure, there is no motivation, and without motivation, there is no performance. Le sentiment du progrès. On peut produire de la motivation par le constat de progrès dans notre discipline. Cet ingrédient est directement lié à notre objectif. À eux deux, ils constituent la base de la gestion de projet que l'on connaît en entreprise. Si l'athlète atteint un certain niveau où il se sent ne plus progresser ou stagner, atteint ses limites, il va perdre en motivation. Il commence à se décourager. C'est pour cela, les entraîneurs, dès qu'ils voient que leurs athlètes ont ce sentiment, ils peuvent introduire des micro-objectifs dans le programme et ils font prendre conscience à leurs athlètes qu'ils sont en train de progresser à travers les nouveaux micro-objectifs. Les valeurs ou l'engagement. La motivation est favorisée par le fait de rester fidèle à ses convictions et ses valeurs. Avoir l'impression que l'on contribue à quelque chose de plus grand que soi. Valoriser une activité aide à restaurer un sens de l'autonomie. Donner du sens, quand on dit engagement, c'est qu'on va donner du sens à l'action et la relier à l'un des ingrédients motivationnels de l'athlète. Très important. Ça pourrait être, pour l'athlète, représenter dignement son pays, comme véhiculer la meilleure image de son pays, démontrer au monde les capacités et le potentiel dont disposent les jeunes Africains, être un exemple et une locomotive pour les jeunes de leur pays. S'imposer parmi les ténors des grandes nations malgré le manque de moyens. Rizlen. The fifth point is going to be progress. We can create motivation by acknowledging the progress level in our field. This
ingredient is directly linked to our objective visualization or notion. With these two, it is basically or technically what is meant by project management that we know in companies. What we need to understand is that when an athlete reaches their maximum, when they have reached their top target, it is very complicated for them to stay motivated. So what one can do is that as a coach, we can create micro targets in order to be able to keep these athletes motivated, in order for them to keep on staying motivated, and in order for them to see that they are still reaching these points. And the important thing, again, is that the athlete and the coach need to have this link where the coach will be showing, again, the athlete how they are progressing, how they are still doing good, how they are reaching their targets. Then we have the values. The motivation is usually represented by the fact of staying true to oneself, to our convictions and our values. One needs to understand that they are participating into something larger than themselves to have a real value as an individual is to recreate the autonomy, which is point number one. Now, what kind of values do we need to show our athletes understand in terms of African beach volleyball? For instance, we are representing our country. We are representing our field. We are representing our continent. We are trying to do our best with the little capacities or means that we have. And therefore, this is what is really important to keep the athletes motivated. Au final, la réussite sportive est le résultat de la réunification de tous les leviers de la performance. Apprendre à connaître son cerveau et savoir le faire fonctionner ont fait des champions de haut niveau. Ils sont bons dans leur corps grâce à une bonne préparation nutritionnelle. Ils sont bons dans la technique grâce à une bonne préparation physique. Ils sont bons dans leur tête grâce à une bonne préparation mentale. Ça veut dire qu'ils n'ont rien laissé au hasard. Ils ont fait attention à tous les facteurs qui vont leur servir pour devenir et se distinguer des autres athlètes et devenir champion. À haut niveau, il n'y a pas de facteur chance. Il y a des choix, des bons et des mauvais. On peut être bon dans la technique et mauvais dans la gestion des émotions. Une médaille olympique, ça se joue à quelques millièmes. Ce millième de seconde qui relègue à la deuxième place. Là, on a cité une médaille olympique, mais une médaille africaine, la même chose aussi. N'importe quelle médaille peut se jouer à un millième de seconde. Et c'est le millième de seconde qui peut reléguer à la deuxième place. Et c'est à celui qui s'est bien préparé et qui n'a rien laissé au hasard et qui a mis toutes les chances à ses côtés. C'est lui qui va s'imposer et qui va décrocher cette médaille et briller à travers son résultat réalisé. Partager avec vous une expérience que moi-même j'ai vécue lors des Jeux méditerranéens. Alors, les Jeux méditerranéens sont pour l'escrime très très un niveau très élevé parce que les ténors de l'escrime habitent dans le bassin au bassin méditerranéen et au demi-finale je devais rencontrer j'avais commencé ma compétition moyennement et puis je commençais à monter en niveau
Et en demi-finale, je devais rencontrer la détentrice de la Coupe du Monde cette année-là. Et la première, les tours en escrime se jouent en 15 touches, 3 fois 3 minutes. La première manche, 3 minutes, l'athlète, elle me gagnait de 7 touches. J'étais menée de 7 à une touche. J'avais réussi à mettre juste une touche. Elle était très, très forte. Et en plus, elle m'impressionnait par sa taille. Elle était très grande. Elle était vraiment balèze. Au moment du temps de repos, on a une minute de repos entre les manches. Au moment du temps de repos, je reprenais mon souffle et je commençais à reproduire dans ma tête mes exploits. Et à revoir aussi dans ma tête les meilleures actions que je maîtrise et mes capacités, mon potentiel. Je commençais à parler à moi-même. Zara, on est là, c'est la compétition. Attention, regarde, le drapeau d'Algérie, il est là. Et tu es capable de faire honneur aujourd'hui à ton pays. Zara, tu es capable de faire honneur à ta famille. Tu es capable de réaliser ton rêve d'être sur le podium parmi les ténors. Il n'y a rien qui te diffère de ton adversaire. Tu es capable, maintenant, on est en situation. Il faut l'affronter. Comme on dit, ce n'est pas la taille du problème qui importe. C'est notre taille, c'est la nôtre. Alors maintenant, je suis en situation et il faut aller jusqu'au bout. Il fallait que j'exprime le meilleur de moi-même pour ne pas avoir après des regrets. Je me suis dit, vas-y, étape par étape et touche par touche, comme on dit nous en escrime, touche par touche. Et pendant la deuxième manche, je me suis fixé un objectif. Qu'est-ce que c'était mon objectif? Au moins de revenir au score et que le match redémarre. Parce que si je réussissais à revenir au score, c'est mon athlète qui va avoir des doutes. Et moi, je vais être en situation de force. Parce que je sais que je suis capable. Si je suis revenue au score, c'est que je suis capable d'aller au-delà de ce que je viens de réaliser. Alors, l'arbitre, deuxième manche, OK, on rentre. On rentre, on garde, prêt, allez. Et j'ai mis la stratégie que j'avais en tête, justement, pour pouvoir toucher l'adversaire et ne pas lui laisser le temps de réfléchir sur la piste. Et boum, 7-2, 7-3, 7-4. Elle a commencé à douter. Super Zara, continue, c'est très bien. 7-5, 7-6, 7 partout. Waouh, super. Le match, on est revenu au score et l'arbitre, il a dit halt, à ton escrime, ça veut dire arrêter. Et hop, on a encore une minute de repos. Génial, je reviens, je m'assis, je prends une gorgée d'eau. Pardon? C'est bon, continue. OK. Et je prends... Cinq minutes. Je prends une gorgée d'eau et au bout de la troisième manche, on rentre, on revient. Alors, touche par touche, on revient, le score, il est revenu quand la troisième manche était finie, on était à 11 partout. À 11 partout, en escrime, là, il y a un tirage au sort et on a une minute de jeu. Celui ou celle qui marque la touche a gagné. OK, d'accord. OK, Zara, reste concentrée, prêt. Oui, allez. Et hop, je lui ai même pas laissé le temps. Et j'avais fait une action de flèche. J'étais vraiment une flèche à ce moment-là.
et une seule touche qui s'allume, et c'était ma touche, et j'étais sur le podium, et 1, 2, 3, viva l'Algérie, Zahra est capable, et j'étais sur le podium avec la France et avec l'Espagne. Tout est possible, c'est dans la tête que ça se passe. À toi, Rizlen. To summarize up, the sports success is the sports result is the combination of all the performance ingredients. We need to, as an athlete, one need to know how the brain works and what makes high level champions. Well, first of all, they have a great nutritional preparation before that, before the competition. They are extremely good because they are extremely good in their technique because of their physical preparation. They are extremely good in their minds as well because of an extremely good mental preparation. I would just like to remind you that mental preparation is a key just as important as the tactical preparation, the technical preparation, and the physical preparation. Please keep in mind that in a high level, you do not have chance. Chance is not a factor. There's no luck. There are only choices, good ones and bad ones. An athlete can be extremely good in the technique, technically, but extremely bad in emotion management, which is what we were talking about and about handling the mental health situation. One final thing is that an Olympic medal can, you can either have it or lose it with thousands of thousands and seconds and be second instead of first. It is extremely important to bear in mind that motivation is key and health and mental health is key for that motivation. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, merci Rizlen, merci à tous ceux qui ont assisté à notre conférence aujourd'hui. Et puis voilà, je suis attentive à vos questions ou si je dois donner des éclaircissements sur le sujet d'aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien, très bien, Zahra. Merci beaucoup, Zahra, merci beaucoup, Rizlen. Donc, I would like just to add one point. Rizlen did not mention it because of the timing. Thank you, Rizlen. Zahra gave at the end of this presentation, Zahra gave an experience when she was a high performance athlete during the Mediterranean Games. And she was in fencing, she was leaded 7-1. And during the rest, so for 1 minute, she just tried to remind herself and to reimagine herself and what she did positive, what she did as a champion. She just avoided the negative let's say waves, and with that step by step. So she could first. She could be clever. So she could, at that time, put the strategy. And then when she came back, she tried to gain 1 point after the second, 1 point after the second. And at the end of the day, end of the competition or the combat, she got the medal and she got the final. And between brackets, she was competing against the Olympic champion and the world champion. Thank you, Zahra. So I think that I don't know if we have from Facebook and WhatsApp we have questions, but I would give the floor to Mr. Sherif, and Rizlan will translate to Zahra in French. Of course. Okay. So Sherif, tfaddal. First of all, I would like to thank Madame Zahra for what she, impressed us tonight.
I mean, a lot of, I mean, good information. And I think she touched a very important part hidden from a lot of coaches, because everybody is working for the technical side and physical side, but they are not working for mental side. And also now, especially when we have a big problem like COVID-19 now, we have to think a lot about what we are going to meet in the future with our players. Because I know from the field that players now afraid from death, afraid from coming back and became ill, and they don't know what is the next future. It's a hidden future for them. We have to help them. We have to prepare them. This is my first comment. My second comment is one of my experience when I was coaching the Egyptian youth national team in 2000. It was a little bit, it's from 20 years. Yes. Only. The match was against France. And France was the champion. It was the world championship in Egypt, in Cairo, September 2000. And the match was against France. And France was the champion of Europe. And of course, we had a good preparation technically before. And also we broke the mental side, the afraid of players from the Hulk of volleyball in France or in Brazil or anywhere. And I remember very well, we lost the first two sets. And we come back and we won the third. We lost the first set. And we come back in the second set. We were 24, 23, 18. And we come back and we won 36-34. It was a big comeback. And the last set was unbelievable. I didn't forget, because after we changed the court 8-7 for Egypt, the set 15 points. And the coach of France, 9-8, asked for timeout. And I said for my players, I sit down on my knees and they were sitting, and I said for them, we have around 80 million person waiting for this big result. And they are waiting for the victory. And everybody is waiting for you to thank you. And when I was talking, they left me and they entered the court before the referee allowed them. And after around 5 minutes, they won the match. I mean that the mental part is very important, and motivation is very important. But on the other side, we have to be very careful, because if we do that more than enough, more than the average, it will kill the players, or it will change the result for negative part. And also, I believe that it's a very important magic tool to help players and to help teams and to help athletes. And that's why I believe that your presentation, your attendance today was very valuable for us. And that's why I would like to thank you. And I give the floor for you and for Mohammed. And also, I would like to thank Islam, because a wonderful translation. I understood very good, and it was very good for me. And I think people are enjoying very much the good translation. Just because she's your daughter, that's it. So, où est Islam? Si tu peux traduire. Oui, bien sûr. Donc, au début, il voulait te remercier. Merci. De t'être intéressée justement à la santé mentale des joueurs, des athlètes. C'est très, très important de faire ça, spécialement avec cette phase du Covid-19. Avant, les points négatifs étaient le fait de perdre une compétition, perdre un jeu,
être blessé, alors que maintenant, c'est avoir peur d'être malade, avoir peur de mourir, avoir peur d'être un proche. Donc, c'est très, très important de recentrer la santé mentale de l'athlète. Donc, ça, c'est un premier commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est qu'en 2000, quand il était en train d'entraîner l'équipe l'équipe nationale d'Égypte, ils ont joué contre les Français, qui étaient des monstres, des bêtes. Ils ont gagné le premier set. Les Français ont gagné le premier set. Les Égyptiens se sont en quelque sorte motivés pour gagner le deuxième. Et au troisième, Mr. Sheriff s'est assis devant eux et il leur a dit vous avez 80 millions de personnes qui sont en train de. Le dernier set. Ah, donc le cinquième. Le cinquième. Donc ils étaient ex aequo, c'était France-Espagne, France-Égypte. France-Égypte. France, and then the last one was Egypt. And this match, we won the match and we qualify for the semi-final for the first time in our history. D'accord. Donc, ils ont joué 5-7 pendant lesquels la France a gagné, l'Égypte, la France. Et le cinquième, c'était l'Égypte. Ils ont été qualifiés aux demi-finales et c'était la première fois. Et du coup, Moshif, en étant coach, leur a dit qu'il y avait 80 millions de personnes qui étaient en train de les attendre. Et les joueurs ne l'ont même pas écouté. Ils se sont levés, puis ils sont revenus sur le terrain. Et au bout de 5 minutes, ils avaient gagné le match. Et ce qu'il voudrait dire, c'est que c'est extrêmement important de parler de santé mentale des athlètes. Mais il faut faire attention aussi à ne pas pousser cette notion à l'extrême pour ne pas avoir d'impact négatif sur les athlètes. Ce que je voudrais ajouter, Rizlan. Est-ce que je peux juste dire un mot par rapport à ça? Oui, j'ai juste une remarque et je te laisse la parole, il n'y a pas de problème. C'est juste D'accord. que je voulais ajouter juste une chose, c'est que par rapport aux 6 ingrédients, donc, et revenons à cette histoire de France-Égypte, il faut dire que c'était le début d'une longue carrière et d'une longue épopée des jeunes Égyptiens et de cette équipe. Et donc là, on a Ahmed Salah, on a Abdullah, on a les grands noms qui existent maintenant, qui ont fait le bonheur en seniors. Donc c'était cette équipe et c'était en cadet, donc c'est moins de 17 ans. Et c'était la première fois où un pays arabe et un pays africain joue les premiers rôles et qu'il soit dans le top 4. Voilà. Donc, Zahra, à toi. Oui, je remercie Dr Sheriff pour son intervention. Et par contre, par rapport à ce qu'il vient de dire concernant la préparation mentale, les Américains, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont pris conscience de l'importance de la préparation mentale et de prendre en charge le mental, que ce soit pour les sportives ou dans la vie courante. D'ailleurs, ils l'ont introduite dans tout leur quotidien et on voit les résultats qui en découlent. Les Européens, maintenant, ils l'ont introduite aussi dans leur vie et dans le sport, parce que le mental, il est à 50% des autres facteurs de la performance. Et les entraîneurs, ils vont jamais pousser le dosage, c'est au préparateur mental de savoir le faire. Et comme on avait dit, c'est surtout ce que nous cherchons, c'est l'équilibre entre les exigences de la performance, parce que la performance, elle a des exigences énormes, et l'équilibre et le bien-être de nos athlètes. Et dès que les entraîneurs de haut niveau détectent des lacunes chez leurs athlètes, ils font des lacunes telles que la confiance en soi, la concentration, la gestion du stress. On peut aussi
faire de l'imagerie mentale pour augmenter les potentialités, c'est hyper important pour réaliser les meilleures performances sportives. Ça ne va jamais être... Merci Zara, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ah, d'accord. Et Rizlan, s'il te plaît, si tu peux faire un... The Americans have been introduced mental health preparation in the sports for the last 20 years, and we can see its impact. They have also used it in their daily life. Same thing for the Europeans. We know that it is 50% mental health preparation. Mental preparation is 50% of the preparation of an athlete. It is extremely important. And it is very commonly used today team sports or individual sports, where even if the physical aptitude is met, then or is higher, the athletes tend to use the mental health weaknesses in order to beat the opponent. Thank you, Rizlan. So we have some questions, actually. That, Amina asked, je vais poser la question en français. Donc, Amina pose la question suivante. En beach volleyball, pour Zahra, en beach volleyball, nous avons deux joueurs, deux athlètes, filles ou garçons. Et donc, s'il y a une défaillance chez un athlète, donc, comment il faut procéder pour le motiver? Un seul athlète. Rizlan. In beach volleyball, we have only two players. If one of them is lacking motivation, how can we do to motivate them again? If it's only one of the two players. Oui, Zara. À toi. Il y a des techniques en préparation mentale à utiliser pour motiver l'athlète. Et l'une des techniques, c'est de poser la question à l'athlète, qu'est-ce qui est le plus important pour lui à travers la pratique du beach volley? Et en fonction, et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il est démotivé et il est démotivé et il ne peut pas fournir les efforts qu'il est capable ou qu'il était capable de faire auparavant pour être au top avec son binôme? Et dès que l'athlète il répond à son entraîneur, il faut regarder les solutions, il faut mettre les solutions devant. Et pour remotiver l'athlète. What is that? Of course, there are techniques that are used to motivate the athlete. One of them is to ask them two key questions. Number one is, what is the most important to you in the fact of playing beach volleyball? The second one is going to be, why are you demotivated? And why aren't you motivated to make the efforts that you used to do in the beginning or in the past? And therefore, with these answers, the coach will be will have an easier way to find a solution to motivate this athlete. Et aussi, Et comme on avait dit, parmi les six ingrédients justement de la motivation, regardez celles qui sont absentes ou celles qui ont baissé, justement pour les faire remonter et qu'ils soient au top, de façon à ce que l'athlète retrouve sa motivation et il revient dans l'action. Merci, merci. La deuxième question. Donc, je traduis. Yes, Suzanne. Yes. Short. Yes. The coach can also look at the six keys of preparation that we have seen in the slides, check the ones that have dropped, and this way they can help the athlete to find the motivation and come back to their normal level.
Great. The other question is there any in beach volleyball or in another sport, is there any differentiation when we are working with ladies and men? I mean, is there any or special approach, or it's the same approach? Est-ce qu'il y a une approche particulière quand on entraîne dans le beach volleyball une équipe de femmes et une équipe d'hommes? Est-ce qu'il y a une manière particulière de s'adresser à chacun? Est-ce qu'il y a une manière particulière de s'adresser à chacun? Sur quel plan? Est-ce que la personne fait allusion sur le plan mental? Ou... Oui, sur la préparation mentale, est-ce qu'il y a une approche spécifique pour les filles qu'on ne peut pas utiliser chez les garçons et vice-versa? L'approche, elle est dans la globalité, elle est la même. Mais par contre, tout dépend individuellement de chaque individu. Parce que nous sommes tous différents. Et les facteurs, ils peuvent être différents de moi. À Rislaine, à vous, et ainsi de suite. Donc, l'intervention, elle peut différer individuellement. Okay. Globally, the approach is the same. It is only different individually as we address individuals, as each person is different from the other. So, mainly, the approach is the same, only I will not apply the same preparation to team member A than the one that I apply to team member B. Okay. Question de Anas Duri. Donc, ma question est la suivante. Nous avons remarqué après le confinement que plusieurs pays comme la Lettonie, l'Autriche, la Russie et les États-Unis ont procédé avec des tournois nationaux afin que les athlètes puissent revenir progressivement à leur niveau, mais aussi pour éviter le manque de compétition et se préparer aux compétitions internationales. Alors, la question, comment peut-on en Afrique adapter les tournois nationaux tout en respectant les conditions de protection? Et la deuxième question, enfin, l'une dans l'autre, et à quel degré peut-on participer aux tournois nationaux et se préparer pour les compétitions internationales? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Donc, la question c'est comment adapter les tournois nationaux en Afrique, ouais, tout en respectant les conditions de protection? Et à quel degré peut-on participer aux tournois nationaux et se préparer pour les compétitions internationales? Vas-y, Rizal, vas-y. Okay. So, we have seen post-quarantine that some countries like Austria, USA, and Russia have started to reopen the national championships. So, we have two questions. How to adapt in Africa these tournaments while respecting the health requirements? And question number two, to what level can we participate, to which level can we participate to these tournaments and local competitions? So, Zahra, tu me permets. So, I would like to answer the first question, the first part of the question. Donc, je vais répondre pour la première partie de la question, en disant que chaque pays a mis en place certaines procédures pour la protection de sa population. Donc, il n'y a pas un phénomène standard, il n'y a pas une recette ou une procédure standard. C'est une pandémie, c'est nouveau. Donc, chaque pays s'adapte en fonction de ce qu'il y a. Et donc, les tournois, les fédérations nationales vont essayer d'organiser un certain nombre de compétitions, hein, en fonction des données qu'ils ont chez eux. Donc, il n'y a pas précisément d'ingrédients. Et je pense que Anas, qui a posé la question, est mieux placé pour ça, parce que là, il est revenu sur le terrain et il sait ce qu'il fait dans son académie ou dans ses académies avec ses athlètes et comment il faut fonctionner. Donc, ça reste en fonction des pays.
J'y vais? Yeah, yeah. Okay, so each country has put in place a special protection law or procedure to protect the people in that country. So there is no standard or usual way in order to help these countries to organize these tournaments. There is no, it is a pandemic and we don't have one way to organize it. Each country and each federation and each national federation will have to recreate or re-put in place these tournaments or these competitions with what they have allowed in their countries. Some countries have curfews, some don't, some ask their people to wear masks, some don't, etc., etc. That will depend on each country. Une question de Mounir. Okay, réponse. On passe à une question parce qu'on n'a plus le temps, il reste pas beaucoup de temps. Une question, si on répète chaque jour ce genre de motivation, si on répète chaque jour ce genre de motivation, les athlètes vont s'ennuyer. Et surtout, l'avenir est toujours incertain avec cette pandémie. Alors, que faut-il faire? If we repeat every day this kind of motivation, what will happen is that the athletes will get bored. Until now, we have no vision, no visibility of the future. Then how can we help? How can we keep on motivating them throughout this period? Yes, oui. OK. Déjà, la question, elle n'est pas claire en disant si on répète chaque jour cette motivation. Qu'est-ce que la personne veut dire par cette motivation? De deux, l'athlète, l'entraîneur fait appel pendant les séances d'entraînement, fait appel à sa créativité pour créer une ambiance et stimuler ses entraîneurs. Donc, on répète tout le temps cette motivation. Qu'est-ce qu'il veut dire par qu'est-ce que la personne veut dire par répéter tout le temps cette motivation? Donc, la question est, est-ce qu'il faut toujours rabâcher les mêmes paroles, le même discours avec les athlètes tous les jours? Ou est-ce qu'il y a une méthode pour justement essayer de faire sortir l'athlète de ce marasme? Parce que bon, les athlètes ont aussi peur du futur, quoi, de mourir, d'être contaminés, etc. Donc c'est très petit. Est-ce que j'utilise toujours une seule méthode pour motiver mes athlètes durant la semaine? Les athlètes, normalement, quand les athlètes eux-mêmes, ils sont motivés par l'objectif qui est les Jeux Olympiques. Après, dès qu'on détecte chez un athlète un manque de motivation, comme on avait dit tout à l'heure, comment on peut voir ça? On le voit à travers, quand on leur donne des tâches à faire, et s'ils ont moins... ils sont pas attentifs, s'il y a un manque de concentration, si on voit qu'ils n'ont pas vraiment plaisir à faire les exercices, c'est là où on va agir sur les ingrédients de la motivation pour leur élever ce paramètre important et qui va les aider pour aller vers l'atteinte de l'objectif. Donc, c'est pas tous les jours, c'est pas comme l'éthique, c'est pas tous les jours qu'on va... qu'on va essayer d'optimiser la motivation. C'est quand on détecte, l'entraîneur, il est là, il connaît ses athlètes, il connaît les capacités de ses athlètes et c'est à lui d'être vigilant au comportement de ses athlètes pour pouvoir faire appel si l'entraîneur, heureusement qu'il y a la présence des spécialistes de ce volet-là qui peuvent prendre en charge le côté mental des athlètes, donc faire appel à ces spécialistes pour qu'ils viennent en aide à ces athlètes et aussi au staff technique, renforcer le staff technique
par les préparateurs mentaux. Ce n'est pas l'entraîneur. Il peut stimuler, mais ce n'est pas à lui. Il peut se faire aider, heureusement. Merci, merci Zara. Rizlan. The coaches the coaches can use the creativity to implement useful and creative techniques for their players. The coach needs to be close to their athletes, and they have to detect any lack of motivation. Once they detect this lack of motivation, they can either act on it. Once they detect that lack of motivation through all the exercises that we spoke about, if they are not, if they are lacking concentration, if they do not achieve the tasks like they are asked to do, this is when we can level and measure the motivation level and the lack of motivation. The coach can act on this lack of motivation, but they should not forget that they can also have or request the help of mental preparators. They can not only work with the athletes, but who can work also with the staff. Une question de Donna Michel, Sanu. Peut-on, oui ou non, utiliser les critiques constructives pour motiver un athlète en baisse de forme? Si oui, doit-on considérer cela comme un ingrédient de plus? Can we use constructive criticism to improve or increase the level of motivation within the athletes? And if yes, is this another ingredient to motivating the athletes? Oui, Zara. La critique constructive, oui. C'est à travers la critique qu'on grandit, qu'on fournit plus d'efforts, qu'on va s'aimer, qu'on va se libérer. Alors, la critique constructive, on peut l'introduire pour amener notre athlète à fournir le maximum d'efforts et à libérer l'essentiel. Oui, on peut le faire. Yes, we can use positive criticism. It is through positive criticism that we can grow, that we can get better, and it can definitely be used as a motivating tool or motivating key for the athletes. Une question de Francine. Quel travail faut-il faire sur le moral des athlètes et encadreurs, donc les deux, pour remotiver les troupes afin de repartir proche du niveau où ils étaient déjà? What are the techniques that we can use with the athletes and the staff in order to do better and reach the levels that that we used to have. Oui, Zara. Alors, quel travail faut-il faire pour les remotiver? Oui. Alors, la première des choses, c'est se questionner soi-même en disant qu'est-ce que je veux être à travers justement à travers l'entraînement ou à travers, pour les entraîneurs, je vais vous donner un exemple. L'entraîneur, il va se poser une question. Qu'est-ce que je veux être? J'ai envie, en reprenant maintenant bien sûr les entraînements, j'ai envie d'être le meilleur des coachs en beach volley, ou qu'est-ce que je veux devenir à travers le fait de fournir les efforts. Alors, arrêtez, bien sûr, focuser sur l'important. Arrêtez de vouloir aller chercher, de vouloir faire les choses pour avoir les choses, mais plutôt faire les choses pour devenir et grandir et devenir quelqu'un d'autre de ce qu'on est ou ce qu'on a été avant le COVID. Et quand il y a une critique justement qui vient de l'extérieur, même si elle n'est pas positive, elle est la bienvenue. Il faut bien la prendre, ça va vous permettre de vous corriger.
de voir, de vous corriger, d'aller d'apprendre, de vous améliorer et d'aller au-delà de vous-même. We need to question oneself. Who, for example, they can ask themselves, who do I want to be, or what kind of coach do I want to be? Not only the both need to question themselves, they also need to focus on what's more important. They need to focus on what they want, and they need to focus on the fact that a critique, even if it's negative, we need to accept it in a positive way, because we definitely have something to learn from this, and it is extremely important to accept the critique and criticism. Thank you. Yes, Zahra, 30 seconds. Okay. Aussi important de se rappeler de mettre devant les yeux ses valeurs, de mettre devant les yeux leurs capacités, et de se rappeler de cela et aller au devant. Voilà. Values and the capabilities and whatever they were able to achieve so that they can move on. Thank you so much, everyone. We just came to the end of this webinar because it's only 2 hours, but I would promise that I will take the rest of the questions, whole questions, and we will submit to Mrs. Zahra in order to reply on one by one. So don't worry about the questions. So we will just collect them and we will send them back to her. Another thing that I will share with you, the presentation, it's online. So you can see it on your convenience. And there is a contact number and the contact email there. So you can contact her directly. I would like also, I would like to thank Zahra so much for her time. Merci à vous. Thank you, Ghislain. Thanks a lot for your time. Thank you. And I know it's not easy. So yes, we are living a situation. Just to know that Ghislain is in France, in Aix, since 5 months. So. We are separated by this pandemic, so we need some people to motivate us. So this is the situation. We are here actually. To motivate you. Yeah. So Francine, Sheila, Tila, Aminata, etc. This is my daughter. I told you about her, and this is the situation actually. Donc, je tiens à remercier Madame Zahra pour tout. Je tiens à remercier Madame Zahra pour tout, pour son temps, pour ces informations vraiment précieuses. Et donc, je sais qu'on va revenir une deuxième fois. Je tiens aussi à remercier ma fille, Ghislain, que je n'ai pas vue depuis 5 mois à cause de cette pandémie. Donc, on a besoin aussi d'être motivé. Mais bon, c'est la vie et de toute façon, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. So, I would like also to thank CAVB, Dr. Amr, Mrs. Huwaida, Mr. Sharif Shemirli for his effort, Tariq Suleiman, Tariq Al-Adwar, Hisham, Enzo, everyone in CAVB and out of CAVB, and also the board, CAVB board, and the whole committees for that. Thank you so much, and I will give just the floor to Mr. Sharif to close this webinar. Thanks a lot. Sharif, shukran. Thank you, Mohammed, for the good effort and for the nice webinar and the valuable webinar. Thank you, Madam Zahra, for joining us and for the valuable information. Thank you, my daughter, also my daughter, okay? Ghislain, I'm very happy to meet you tonight. And thank you for your very good translation. And at the end, I would like to thank everybody in CVB and the board and everybody in all coaches in Africa, and we keep on moving on to give them a new challenge to gain more information, and the next webinar will be a big surprise. We will have one of the top level coaches next Friday, and I will not give the name now, but please wait. I have the name, don't worry. I will share it, don't worry.
one of the champions of volleyball, and he's one of the best friends, and he accept to be our visitor, one of the legends like Zahra, and I think we will have a very good webinar. And thank you very much for everybody, and see you later next. Next week, I hope. And thank you, everybody. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, Mohammed. Goodbye. Bye-bye. Bye.